Hoy no sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar, porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás, solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más. Que tú me das todo lo que llevas dentro, que fue lo mejor que nos separa. Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Eh bien écoutez, ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné, mais je m'étais promis de vous embarquer pour cette vidéo assez particulière, puisque je vous avais embarqué sur une vidéo, regardez, pour le tatouage de mes sourcils, et aujourd'hui ça va être le tatouage des lèvres. Vous allez voir, je vais faire quelque chose d'assez sympa, très naturel, mais redessiner un petit peu les lèvres, voilà, qui paraissent un peu claires sur le dessus et tout. Et quand une lèvre est vraiment bien dessinée, comme avec un maquillage ou un crayon à lèvres, bah les lèvres paraissent beaucoup plus belles, un petit peu plus pulpeuses, sans toucher à la chirurgie, ni aux injections, ni tout ça, parce que j'ai pas envie d'aller là-dedans. Donc voilà, je vous embarque avec moi. J'ai embarqué mon homme aussi. Je vais voir si on peut filmer un petit peu le devant, la devanture de l'institut. Je vais voir si on peut filmer dedans. Dans tous les cas, si je ne peux pas, je vous montrerai avant, après. Il y aura des photos, je vous expliquerai tout sur la douleur, sur voilà comment ça se passe, le temps qu'on prend, le tarif, et surtout je vous montrerai, je vous donnerai l'adresse de cette personne qui s'appelle Patricia. Vous allez voir, elle est juste extraordinaire. J'ai vu des choses sur elle, son travail depuis des mois, je la suis, voire même plus d'un an, et elle est juste extra. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je parle un petit peu bizarrement sur la vidéo parce que forcément je me suis mis la crème même là, je me suis un petit peu anesthésié la bouche, voilà, comme elle m'a conseillé. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai que je sens absolument pas mes lèvres, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous embarque tout de suite avec moi, restez là, et on voit tout ça ensemble. Allez, à de suite. Donc on se retrouve dans l'institut, donc je vous avais parlé de Patricia. Donc ça y est, on est parti, on va bientôt baisser les masques et on va pouvoir donc faire les lèvres, le tatouage des lèvres. Donc voilà. Donc c'était Patricia que je voulais vous présenter tout à l'heure. Donc c'est juste une personne extra dans son métier, elle est juste extraordinaire. Allez sur son site Facebook, vous allez voir sous ma vidéo, il y a le lien de son institut, il y a ses tarifs, il y a les photos de tout ce qu'elle fait, et vous allez être juste émerveillés. Donc voilà. C'est gentil, bah bienvenue à Julie, et donc je vais m'occuper de sa lèvre aujourd'hui. Ouais. Donc coloration et rééquilibrage du haut et du bas. Le résultat, plus tard. Exactement, à tout à l'heure. Hoy no sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar, porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás, solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más. Que tú me das todo lo que llevas dentro, que fue lo mejor que nos separa. Que me muero.
cosa va a cambiar, porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás, solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más. Que tú me das todo lo que llevas dentro, que fue lo mejor que nos separa. Rentrer à la maison, donc je vous tourne vraiment la fin de cette vidéo tout de suite en voiture. Donc j'ai attendu, de toute façon ça va faire, je crois qu'elle m'a tatoué, ça va faire deux bonnes heures. Et franchement avec l'anesthésie sur la bouche, tout ça, je pouvais pas trop parler. Donc c'est pas plus mal que j'ai attendu un petit peu. Donc voilà mes premières impressions, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, je vous ferai un petit peu des photos. De toute façon vous allez voir, vous avez vu dans la vidéo, je vous ai un petit peu tout montré, étape par étape. Je vous ai montré aussi le final directement au salon. Mais comme vous voyez, bah, voilà, la lèvre est redessinée, la lèvre est légèrement rosée. Donc ça va s'estomper au bout de quelques jours, donc c'est pour ça que je vous tiendrai un petit peu au courant. Mais pour le coup, c'est vrai que je suis vraiment très très contente du résultat. Pour ce qui est de la douleur, ouais, bon, il y a un petit peu de douleur, faut pas se voiler la face, hein. Franchement, c'est pas très agréable malgré l'anesthésie, c'est une petite anesthésie locale. Avec la crème MLA, puis elle met autre chose aussi, elle met un autre produit. Heureusement qu'il y a cette anesthésie, parce que franchement je suis pas douillette, mais là pour le coup c'est quand même pas très très agréable. Donc voilà, on y est arrivé. Donc j'ai rendez-vous avec elle dans 15 jours encore, elle m'a dit, et je crois dans un mois après, tout ça, voilà. Donc tout est compris dans le forfait. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien que mon homme va vous mettre sous la vidéo, n'hésitez pas à prendre des renseignements auprès de moi, auprès d'elle, mais ça vaut vraiment la peine pour le coup, parce que là bon, cet effet glossy comme ça, c'est parce qu'elle m'a mis une crème cicatrisante, en fait, à la vitamine E, je crois ce qu'elle m'a dit. À la vitamine E, tout ça. Donc, c'est vraiment un aspect gloss et brillant. Et de toute façon, je pense que, vu cette sécheresse de la lèvre qu'on sent, il vaut mieux mettre du gras. Donc, voilà, c'est pour ça que ça brille autant. Mais pour le coup, c'est vrai que bah, le contour, elle l'a super bien dessiné. Je suis vraiment ravie. Mais vraiment ravie de son travail. J'avais quand même peur parce que là, on touche au visage. Donc, voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des messages, à me demander plus de renseignements, n'hésitez pas surtout à lui demander des renseignements. Et pour tous ceux et celles qui sont sur Cannes, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, à vous rapprocher de son institut et de passer par elle pour toutes sortes de choses, mais surtout voilà le tatouage des lèvres, le tatouage des sourcils, elle fait ça également. Moi je l'avais pas fait chez elle, mais pour le coup voilà, je trouve qu'elle a une très belle main, elle est très professionnelle, elle a mis vraiment un moment à me tracer les lèvres comme je voulais. C'est vrai que rien que le trait au crayon, j'avais envie de partir. Je dis bah c'est bon, ça me va, c'est trop beau quoi. Mais voilà, donc regardez un petit peu le début de la vidéo, regardez quand je vous montre le début de la lèvre. Au début, je veux dire, de la vidéo, la lèvre, je trouve que c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment une lèvre plus fine, une lèvre moins travaillée, pas dessinée. Et là, c'est vrai qu'elle m'a rééquilibré, je sais pas si vous voyez bien, mais elle m'a rééquilibré le haut et le bas. Donc voilà. Donc moi je trouve ça vraiment vraiment très beau. Même mon homme, bah, pour le coup, il appréhendait un petit peu. Il appréhendait le résultat, il avait peur du côté vraiment tatouage, marqué, tout ça. Mais au final, maintenant, c'est plus comme à l'époque où on faisait les contours.
de lèvres qui étaient très marquées, des fois brun sombre, voire noir sur certaines personnes, et une couleur, enfin sans couleur à l'intérieur, c'était pas beau du tout. Mais là, pour le coup, c'est une seule et même couleur qui redessine le contour de la lèvre et qui dessine l'intérieur de la lèvre. Donc voilà, donc je suis vraiment vraiment très très contente du résultat, et comme je vous dis, bah, j'ai hâte d'attendre dans 15 jours, parce qu'elle m'a dit que ça allait peler un petit peu, que ça allait se dépigmenter un petit peu, que j'allais perdre un petit peu l'intensité de la couleur. Donc pour le coup, voilà, il faut attendre jour après jour, c'est un tatouage, hein, comme tout tatouage, eh bien il faut attendre quelques jours, puis quelques semaines, et après elle m'a dit bah ça bougera plus. Donc en plus, quand je suis sortie du salon, il y avait une cliente qui attendait, et franchement elle avait des lèvres magnifiques, et elle m'a dit oh là là, vous avez super bien fait de le faire avec Patricia et tout ça. Donc je me suis permis de regarder ses lèvres, ça faisait bah, je crois un an, elle venait faire sa retouche au bout d'un an ou un an et demi, je me souviens plus trop ce qu'elle m'a dit, et les lèvres étaient magnifiques, franchement super bien dessinées, magnifiques, la couleur était toujours aussi belle et intense. Donc je regrette vraiment pas. Donc voilà les filles, hein, pour toutes celles bah, qui voulaient se lancer dans ça mais qui avaient un petit peu peur, alors hormis le côté budget, moi j'avoue ça faisait presque un an que j'économisais pour me le faire, voilà, donc j'ai hésité et tout ça, mais franchement je regrette pas, et j'aurais même dû le faire avant, et je suis contente de l'avoir fait en fait avant l'été, avant les beaux jours, parce que franchement cet été, eh ben, j'ai envie de vous dire, un coup de blush, on maquille un peu les yeux ou autre, et du gloss est terminé quoi. Donc voilà, je trouve ça juste génial, je suis très 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 contente, et du coup je voulais vous faire partager ça dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour tous ceux et celles qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est important parce que pour le coup je mets quand même pas mal de petites choses sur Instagram aussi, enfin de plus en plus, hein, je commence à me mettre un peu sur Insta, donc voilà, dans tous les cas je vous embrasse tous très fort, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin, j'y répondrai dès que je peux. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. À bientôt !